nos actions et nous ont permis de ressusciter notre montagne. L'évêque et la philosophie de Jean Doré nous inspirent pour l'important travail que nous restons à accomplir. There have been two summits on Mount Royal, 10 years apart, 2002-2012. These were to reflect on and refresh the plan made in 1992 by John Doe. While many of the changes that have occurred or are underway, the Pine and Park Avenue reconstruction, the amendments entry, the Clifton Apartments demolition, the new stairway to the Chevy, the renovation of the Chevy, the Coney Island Hotel, the renovation and restoration of the Beaver Lake in the area we're now working, the replacement of the children's playground and the new artificial. Schmantz and Tier, the ongoing restoration of the Smith House, the important improvements to the Olmsted Road, the restructuring of the Eastern Lookout, the recent restoration of accesses, and many more. Some implemented after Mr. Doré's term, but all anticipated in the 1992 plan. Inevitably, many unpredictable critical matters were not in that one. Yet, power, the inspiration, and the initiative under John Doré imbues us still, and we will find new uses for the wonderful, now empty hospitals, and face and culture changing vocations for many other founding religious education and service institutions on the mountain. It is not given to many recognition for such direct and tangible benefits to their home, to their community. It is justly so in John Doré's case. In the name of all of us, too, is a new Lamontagne. Merci, John. Voici maintenant M. Patrick Caniff. Comme M. Arlette, M. Caniff est un membre respecté et admiré de la communauté d'affaires montréalaise. En plus d'avoir été sous-ministre au gouvernement du Québec et recteur de l'Université Concordia, M. Caniff a présidé le conseil d'administration de la Société des célébrations du 350e anniversaire de Montréal. À la famille et aux proches de Jean Doré, les plus profondes condoléances. À tous ceux et celles qui sont ici, les dignitaires et les gens qui sont ici à la mémoire de cet homme, je vous salue. Beaucoup de visages, beaucoup de souvenirs, tous bons. Je n'ai que quelques minutes pour rendre hommage à Jean Doré, le maire que j'ai connu et que j'ai côtoyé de très près d'ailleurs. Pendant des années intenses de préparation et de réalisation des fêtes du 350e de Montréal en 1992, Jean Doré, cet homme qui est devenu, à travers cette expérience inoubliable, un complice inoubliable. On écrit beaucoup ces derniers jours sur l'héritage de Jean Doré, on en a beaucoup parlé ce matin. Il est important, autant dans les monuments et les infrastructures, mais aussi et surtout dans les façons de faire, dans les liens entre les citoyens et les élus, et dans les institutions démocratiques qu'il a mises en place au sein de cette grande métropole. Il avait la fierté de Montréal. Il travaillait fort pour sa ville, pour en faire la promotion et pour rassembler les citoyens de toute origine qui font de Montréal une ville si exceptionnelle et si attrayante. Le 350e de Montréal était l'occasion, le prétexte en quelque sorte, pour accélérer et concentrer sur une courte période de temps un effort magistral de promotion de Montréal avec le soutien des gouvernements et du secteur privé pour réaliser des projets de construction et d'expansion de nos grandes institutions culturelles, scientifiques et communautaires.
mais aussi, et c'était le rôle de la corporation qui m'a demandé de présider par un soir de 1988, on a parlé du taux de son amour pour les bonnes tables, mais c'était au coin de son bureau alors qu'il avait commandé un poulet de Saint-Hubert qu'il m'a demandé gentiment de passer quelques moments au cours des prochaines années pour présider un conseil d'administration qui ne devait pas prendre beaucoup de mon temps, comme j'avais un emploi de jour. Et j'ai été séduit et j'ai dit oui. Je n'ai pas partagé les poulets avec lui à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là que on m'a demandé à travers cette corporation d'aider à l'organisation sur une période très intense qui allait de mai à octobre 1992, des activités de toutes sortes pour rassembler les gens de Montréal ainsi que les visiteurs et les touristes qui viendraient pour les amuser, les instruire, les faire réfléchir et au bout du compte, les amener à mieux connaître et à mieux aimer leur ville. Les difficultés que nous avons connues lors de la période préparatoire ont été largement médiatisées à l'époque. On prenait les journaux le matin avec une certaine trépidation à certains moments. Quelle organisation de cette ampleur et de cette complexité n'en connaît pas? Il y avait les sceptiques. Les médias n'ont pas toujours été tendres envers la corporation, ni à l'endroit du maire. Mais la confiance de Jean Doré était inébranlable. Il nous a inspirés tous à poursuivre nos efforts. C'était l'affaire de toute une équipe du 350e, le conseil d'administration, puis des gens comme Madeleine Saint-Jean, que Serge Chaussier et le très jeune Guy Laliberté, avec une équipe comme Michel Petit qui a dirigé l'équipe permanente.